الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Remercions tout d'abord Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le tout miséricordieux, maître des mondes et de l'univers, de nous avoir accordé ce ni'ma d'être encore en vie aujourd'hui, en bonne santé, pour venir à la masjid et d'être parmi la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, inshallah, nous allons nous plonger un petit peu dans l'histoire de la civilisation musulmane, à savoir l'Andalousie. L'année dernière, alhamdulillah, nous avons vu une esquisse, à savoir l'arrivée des musulmans en Andalousie. On a vu l'arrivée de Tariq ibn Ziyad par le détroit de Gibraltar. On avait expliqué aussi ce nom-là. Gibraltar, c'est Jabal Tariq. Et nous avons vu aussi comment les musulmans sont entrés en Espagne, l'Andalousie. Et on avait dit aussi qu'inch'Allah, une prochaine fois, nous allons essayer de parler un peu plus de cette époque, l'âge d'or des musulmans. Donc aujourd'hui, inch'Allah, dans le temps qui m'est imparti, on va essayer de parler brièvement sur les savants musulmans de cette époque. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et aussi, nous verrons aussi les causes et les actions qui ont amené la chute de cet empire qui a duré plus de 800 ans. Alors, vers la fin du 1er siècle Hijri, en l'an 93 de l'Hégire, en l'an 755 grégorien, il y a eu le Fath al-Andalus, l'ouverture, l'arrivée des musulmans en Andalousie. L'Andalousie, c'est l'Espagne et le Portugal aujourd'hui, ensemble. Et ce pays-là, après cette ouverture-là, donc il va devenir un centre de la modernité dans toute l'Europe. Les musulmans vont réformer, bien sûr, dans le bon sens, l'administration, le social, la politique, la culture, etc. Et ces héros de l'islam, Tariq ibn Ziyad, Moussa ibn Nusayr, Muhammad al-Dakhil, Abdurrahman al-Dakhil, c'est eux les héros qui ont amené l'islam, la lumière, sur ce pays-là qui était conquis à l'époque par les Visigoths. Alors lorsque les musulmans commençaient à produire des choses, à leur ilm, tout ça se sont répandus, il est dit que même les rois de l'Europe, les rois des pays voisins, ils ont envoyé leurs fils apprendre à Cordoba, qui était le centre de la connaissance. Parce que là-bas, il y avait le ilm, il y avait la paix, la sérénité, et il est dit que pendant plus de 350 années après l'arrivée des musulmans, donc il y avait une paix, une sérénité qui régnait. Alors pendant ces années-là, c'était l'âge d'or des musulmans. Il est même dit qu'au 10e siècle, la bibliothèque qui était là-bas, il y avait environ plus de 400 000 livres à cette époque-là. Il y a plus de 1000 ans. Et 4 siècles plus tard, c'est-à-dire après cela, 4 siècles plus tard, en France, le roi Charles le Sage, si je ne me trompe pas, lui, il avait une bibliothèque qui arrivait à peine à 900 livres. Et 400 siècles avant, les musulmans, ils avaient plus de 900 000 livres. Et c'est à cette époque aussi que, donc, il y a eu des grands ulamas de dîn et des grands ulama musulmans, des grands savants musulmans qui ont apporté des sciences, des découvertes qui sont utilisées jusqu'à aujourd'hui. Donc nous allons voir brièvement, il y a dans le domaine de la médecine, ceux qui font la médecine, hein, ils apprennent. Il y a Ibn Sina, connu sous le nom de Avicenne, qui a traduit le livre d'Hippocrate, de Galien, etc. Il faut savoir que les musulmans, à cette époque-là, ils cherchaient toujours à savoir plus,
Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les livres des Grecs qui étaient abandonnés. Alors ils ont appris le grec, ils ont traduit le grec, ils ont pris ce qui est bon dedans et ils ont amélioré ça. Parce que dans le livre de ces savants-là, lorsqu'ils commencent le livre, ils disent que voilà, ce livre a été inspiré de tel livre, de tel auteur, donc on a traduit. Donc ils n'ont pas inventé des choses, mais ils ont pris des choses qui étaient existantes, ils ont amélioré. Et parfois, ils ont créé des choses aussi. Dans le domaine de l'optique, qui a amené la création de la caméra, ben c'est Ibn al-Haytham qui a découvert, pour ceux qui font un peu de physique, l'optique non linéaire. Dans la géographie, Ibn Battuta ou Ibn al-Idris, eux qui ont cartographié avec précision la Méditerranée et ses alentours. Dans le domaine mathématique, Al-Khawarizmi, qu'on connaît plus sur le principe des algorithmes, ceux qui font un peu de mathématiques. Donc l'algorithme vient de cet auteur-là, Al-Khawarizmi, qui a écrit un livre, Al-Jabir, l'algèbre. Dans la chirurgie, Abul Qasim Al-Zahrawi, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a dessiné les instruments de chirurgie et les instruments que les dentistes utilisent aujourd'hui. C'est lui qui a fait ça il y a plus de 2000 ans. Et dans d'autres domaines aussi, par exemple dans l'aviation aussi, celui qui a essayé de voler dans les airs en premier, c'est Abbas ibn Firnas. Il y a Ibn Rushd aussi, le grand philosophe, qui a écrit beaucoup de livres. Il y a aussi l'art et la sculpture, les jardins, ceux qui ont pu visiter l'Espagne, le jardin de Cordoue, à Cordoba là-bas. Donc les musulmans, ils ont vraiment créé beaucoup de choses. Par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, même dans la navigation. Parce qu'il faut savoir que les musulmans, ils étaient de grands navigateurs. Et lorsqu'ils sont venus en Espagne, il y a l'océan Atlantique qui est à côté. Alors on croit qu'ils sont restés là. Non, ils ont navigué. Et il est dit que c'est eux-mêmes qui ont découvert en premier l'Amérique. Parce que dans les écrits, c'est écrit que, parce qu'on appelait la mer Atlantique Bahru Zulumat, la mer des ténèbres, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. Alors il est dit qu'il y avait même un quartier qui s'appelait les gens qui sont passés après Bahru Zulumat, après la mer des ténèbres. Eux, ils ont arrivé au Brésil, là-bas. Ils ont amené l'islam là-bas. On m'a dit aussi, donc ça, j'ai pas pu vérifier, mais on m'a dit aussi qu'il y a des fouilles archéologiques qui ont été faites au Brésil et ils ont découvert des fragments de Coran. Et dans les livres aussi, il y a certaines photos, il y a des masjids aussi. Et c'est après que Christophe Colomb, il a utilisé ces navigateurs musulmans, tous les écrits, pour partir une autre fois pour voir l'Amérique, les Amériques. Bref, plus de mille et une inventions que les musulmans ils ont fait, qu'il incombe à chacun d'entre nous d'apprendre ce passage-là. C'est plus de 800 ans qui ont été peut-être bafoués par certains historiens, mais aujourd'hui, on a l'occasion aussi de lire ces récits-là. Alors, je lance cet appel-là aux jeunes aujourd'hui et à tous les musulmans qui, il faut avoir des ambitions. Parce que j'ai fait ce constat-là parmi les jeunes aussi, que lorsqu'on demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ils n'ont pas d'ambition. Ils sont plongés dans leur jeu, dans la mode, etc. Mais ils n'ont pas d'ambition. Et donc, les musulmans, il faut avoir des ambitions. Il ne faut pas croire que ça c'est trop haut, on ne peut pas atteindre. Non, il faut essayer de taper très haut. Et après, inchallah, ce qu'on a eu, ça c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Il ne faut pas rester sur ces acquis-là. Il faut essayer de progresser dans le dîn et dans les autres matières aussi. Donc ça c'était le premier point que je voulais aborder. L'autre point, c'est la chute.